Bienvenue sur Verkawa, la chaîne qui déchire tout. Ouais, ben, aujourd'hui, dimanche, je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour au chalet. Allez, regarde-moi ça un petit peu, cette vue. Sympa, hein. Ah, je pense que dans un petit moment, j'aurai le droit au coucher de soleil. Hein. Chouette, hein. Beau. C'est cool. Attends, je vais voir ma diffusion. Ouah, c'est cool. Je vais pouvoir voir ma diffusion en direct. Ah, sympa. Yes. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui me pose des questions et tout, c'est nickel. Ah bah, par contre, je vais couper le... Comme d'habitude, je vais couper le son. Voilà, yes. Hein. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Bonjour tout le monde. Bah ouais, je fais une petite vidéo en direct. Bon, en attendant qu'il y a du monde qui arrive, je crois que je vais faire un petit truc. Hein. Bah oui. Parce que le temps, c'est de l'argent. Mais non, je rigole. Donc, je range ma... Hop. Regarde. Hop, je mets vite mon truc là. J'espère que j'ai appuyé sur aucune touche, que ça filme toujours. Ouais. Waouh. Ah bah tiens. Hop. Bah, je rentre dedans. Je pense que la connexion, elle va être un petit peu perturbée pendant un petit moment. Vous inquiétez pas. J'ai été chercher une petite intro pour... Ouais, parce que là, ces jours, il caille sec. Ah ouais, là, j'avais dans le chalet avant, il faisait zéro. Attends, je te montre. Tu vois quelque chose? Allez, zoom. Tu vois? Hop. Ah bah, j'ai déjà augmenté un petit peu. Bon, j'ai allumé le fourneau. Et puis, j'ai allumé le gaz. Parce que je te dis... Il caille. Il caille. Hop là! Allez, je ressors. Je pense que la connexion va être meilleure. Oh. Bah ouais, j'ai plus de graines pour mes petits oiseaux. D'ailleurs, il faudra que je passe. Hein. Regarde. La maison et le vide. Ils ont tout mangé. Bon, comment je vais faire ça? Ouais, parce que bosser avec une main, c'est pas évident. Déjà que quand je bosse avec deux mains, c'est déjà pas évident. Alors je te dis pas. Avec une. Allez. Attends, je te pose là. Regarde. Hop, coucou. Ouais, tu me vois un peu à l'envers. Bah ouais, t'es sur Verkawa. Voilà. Hop. Allez, je déballe la petite noix de coco. Ah, là. Tac. Allez. Où c'est que je vais me la mettre? Ouais, je pense là, à côté de la maison, là. Ça va être pas mal. Hop. Voilà. Allez. Un petit peu à manger pour les oisillons, hein, parce que les oisillons là ils peinent un peu. On verra peut-être qu'après hein, ça va mieux aller. Ah, regarde, tu vois la lune, je sais pas si tu la vois, elle est juste par là, là. Hein, non, je sais pas. Ouais. Enfin bref, il a neigé un peu mais pas suffisant pour la station qu'elle puisse ouvrir. Alors, mettez-moi un petit truc sur le chat, comme ça, je vais voir si je peux répondre aux questions. Et moi, je me vois parce que là, ma caméra, elle a une... voilà. Oh, Yolande! Merci d'être passé. Tu fais quoi au chalet? Tu pourrais nous dire, on aurait fait une fondue avec un bon thé bien chaud. Ben oui, ouais, ouais, c'est une bonne idée, ouais, ouais. Mais par contre, la fondue, faut la manger avec le bonnet, les gants... triple couche, là tu vois, moi je suis quand même bien habillé, là j'ai mis une couche extérieure, un peu, et j'ai encore un espèce de sous-vêtement là dessous, parce que tu vois, tu comprends que il fait pas chaud. Attends, je t'emmène avec moi, là. Parce que tu vois là, oh, allez, il y a la glace. Bah ouais, hein, enfin en dessous de zéro, je suis déjà étonné qu'il n'y a pas tout qui est... Hop, donc on va aller casser la glace. Là. Hop, casse la glace et j'y vais. Adou, adou, adou. Hop, allez, c'est bon, juste à la petite limite. Nickel, pile poil. Hop. Bah ouais, je me fais une réserve d'eau parce que tu comprends bien que si je laisse l'eau là-dedans, ça va pas le faire. Hein, tout va geler, tout va péter, il n'y aura plus rien. Donc voilà. Donc je me fais
là, je te repose là. C'est plus pratique pour moi. On a cassé la glace. Là. Ah bah je suis bien content d'être au chalet. Hein. Ça me fait plaisir, il y a un moment. Hein. Le seul truc, faudra que je bricole un truc, faudra que je trouve une histoire parce que quand je suis dans le chalet, j'ai vraiment une super mauvaise connexion internet. Ça fait que voilà, je peux pas avoir des images, puis c'est pas voilà, c'est pas super cool, super classe. Regarde, hop, et je vis. Voilà, clac, serré. C'est parti. Voilà, y a plus qu'à attendre, y a plus qu'à. Je m'en allume une parce que sur YouTube, c'est la liberté totale. C'est pas comme sur TikTok. Tu peux encore fumer tes clopes. Je sais pas si tu l'as vu la série là, franchement c'était super cool quoi. Le road trip que j'ai fait en vélomoteur avec ma remorque. Donc elle a vraiment bien marché, j'étais super content. Il y a plein de gens qui l'ont vu. Et il y a pas mal de personnes qui me suivent. Donc c'est super sympa. En France on a vraiment eu une bonne wave. Hein, franchement, des bonnes ondes et tout, on était accueillis super bien, donc c'était super cool. Et en plus, les vidéos, elles ont bien marché, vraiment, j'étais étonné. Il y a plein de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, donc c'était cool. J'ai deux jobs, donc voilà, je bosse dans une boulangerie à 60% et je bosse aux remontées mécaniques à 60%. Ça fait que pour faire des vidéos de petites balades, de petits trucs, il me reste plus beaucoup de temps. De temps libre. Et en plus, la plupart du temps libre que j'ai, il fait mauvais temps, donc c'est pas très très cool de faire des vidéos quand il s'est couvert ou qu'il pleut et tout. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que les vidéos de balade, en mobylette ou que ce soit à pied, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, je vais réduire un petit peu la série de longues vidéos pendant un petit moment, vous le comprenez bien. Dans le futur, donc on a plusieurs projets. Donc il y a la personne chez qui on avait été à Carcassonne, donc on est descendu en road trip à Carcassonne. Il y a la personne là-bas qui va peut-être faire aussi un road trip cet été. Donc je sais pas, c'est fin du printemps, début de l'été. Je pense qu'ils vont essayer de s'organiser. Ils vont partir à 6 ou 7 vélomoteurs. Et puis, ils ont l'intention de monter jusqu'à Paris. Hein, et d'aller à la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, je ne sais plus. Peut-être les deux, hein, parce que c'est sur la même avenue de toute façon. Donc, et puis, ils veulent monter par l'Italie. Depuis Carcassonne, faire la côte et tout. Faire un petit passage par l'Italie. J'ai dit, mais si vous passez par l'Italie, il faut passer par chez nous. Donc, il y a un bon espoir qu'ils viennent me trouver hein, dans notre verte gruyère. Et puis, on va essayer de les accueillir comme il faut. Et puis, on verra. Peut-être qu'on fera un petit bout de route ensemble après ça. Donc, ça, c'est un des projets. Voilà. Et le deuxième projet, avec mon ami Bertrand, qui a refait tout son vélomoteur. Hein, je sais pas si vous le suivez, mais ouais, lui, il pose pas grand-chose. Donc... tout son vélo depuis notre premier trip, je crois qu'il y a pris vraiment goût. C'est vrai qu'on a passé, voilà, c'était un petit peu écourté à la fin, vu qu'il a eu un petit accident et puis qu'il est rentré de son côté et moi du mien par des moyens différents. Ça fait que, il a vraiment trippé sur le truc et puis il y a pris goût. Et puis je pense que voilà, quoi, ça va être un peu. Chaque année, on va aller faire un petit tour. Donc, il y a un projet de road trip nouveau et toujours avec Bertrand. On verra s'il y a d'autres personnes qui vont se joindre à nous. Mais bon, c'est pas toujours évident d'avoir des vélomoteurs qui soient fiables, qu'on arrive à organiser, que tout le monde puisse prendre une semaine ou deux semaines de vacances ensemble. C'est voilà, c'est quand même quelque chose... C'est une partie de tes vacances, donc il n'y a pas tout le monde qui veut passer ses vacances à faire un tour en mobylette. Hein.
Et puis, c'est, voilà, c'est assez fou, hein, je vais vous dire, voilà, c'est pas... Comment dire ça? Il n'y a pas tout le monde qui, ouais, qui ose se lancer, hein, c'est pas juste, voilà. Allez, on part en mobilette et tout, non, mais c'est, voilà, c'est toute une aventure, hein. Donc, ouais, faut oser le faire. Mais, la cigarette, c'était... Faut oser le faire, et puis c'est pas donné à tout le monde de oser se lancer. Donc là, avec Bertrand, on s'est bien trouvé pour ça, c'était cool. Allez, nickel, je vais le mettre au coin des fourneaux, comme ça il va rester chaud. Ah, c'est bien, hein, ces fourneaux, hein. C'est comme un piano. Hein. Franchement, comme un piano en cuisine. Il y a plusieurs températures sur le fourneau. C'est pour ça que je le mets au coin, toi, là. Eh ben, ça va nickel. Ouh là là, beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud. Attends. Hop. Allez. Un petit coup de refroidisseur. Pouf. Là. Santé, papa. On va pas faire trop de bruit. Je vois, c'est déjà un oiseau qui est venu manger. Allez, bouge pas trop. Ouh. Est-ce qu'il y a un petit oiseau qui est venu? Non, il y a toujours la lune. Ah, c'est magnifique, hein. Regarde-moi ça. Waouh. Ah ouais, on en a de la chance, hein, pour venir là. Ah ouais, moi je vous le dis. Et je sais pas si j'arrive. Alors, parce que je vais laisser mon téléphone là. Hop. Là. Ah, trop classe. Ah, tu vois, il n'y a pas beaucoup de neige. Hein. Un petit peu, mais pas beaucoup. Trop bien. Alors, les oiseaux. Vous êtes venus, les oiseaux? Ah, regardez ça. Alors, les petits oiseaux. Ah, j'espère que je n'ai pas coupé. Non, apparemment, il n'y a encore personne qui est venu. Bon, c'est vrai que ça va venir. Je viens de le mettre en même temps. Et... Ah bah ouais, je filme ma gueule tout le temps. Oh putain. Trop beau, regarde-moi ce beau ciel bleu. Waouh. Allez, c'est classe. Hop, je rentre. Ah bah attends, je te montre un petit peu l'envers du décor. Oula, attends. Y'a de la buée qui vient ou bien? Ouais. Tu vois, j'ai mon trépied, mon truc, mon machin, là, tac tac. Hop. Ah bah je vais refermer là. T'as vu la glace là? Oh, j'ai mon dîner qui est... Ah, voilà. Il reste un petit peu d'eau dedans. Oula. Attends, je vais donner un petit coup sur le... Ah, excuse. Frotte. Voilà. Bah ouais, quand tu vas dehors, puis que tu rentres... Ceux qui ont des lunettes, ils connaissent bien ça. Ça fait déjà 38 minutes de vidéo en direct. Je vais arrêter gentiment la vidéo là. Hein, et puis, je pense pas que je vais la laisser sur ma chaîne. Donc, les personnes qui étaient là, ils en ont profité. Tant mieux pour eux. Les autres, eh ben tant pis pour eux. Hein. Et c'est comme ça. Bon, allez. Hop, sur ce... Hein? Surtout, n'oubliez pas, bougez, respirez, restez en mouvement. Hein? Regarde ça, mais c'est incroyable. Lire, hop, tac, ouais. Pouf. Voilà, plus que deux personnes. Bye. Bye bye. Ciao.